parler des personnes âgées hein, dans ce flash conseil. Et les personnes âgées, que ce soit femmes ou hommes, donc c'est la même chose. Vous savez bien que les femmes, elles ont des problèmes de préménopause et de ménopause. Hein. Après la ménopause, c'est l'ostéoporose. C'est les anémies, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est les polyarthrites, etc. Et puis les hommes, ils ont un gonflement de prostate. Hein. Gonflement de la prostate. Ils peuvent devenir diabétiques après. Et puis, ils ont eux aussi des problèmes cardiaques. Donc, ils sont exposés à beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Donc, les personnes âgées, il faut qu'elles arrêtent les huiles raffinées, les huiles hydrogénées. Il faut qu'elles arrêtent les viandes et le sucre. Trois choses. Hein? Parce que ces choses-là, donc, ils génèrent des radicaux libres. Les radicaux libres, donc, ils vont détruire donc l'organisme, ils vont oxyder l'organisme, et puis la vieillesse, il va s'accélérer, et auront une mauvaise qualité de la vieillesse. Parce qu'on veut une bonne vieillesse, une bonne qualité de la vieillesse. Hein? Même quand on est vieux, il faut qu'on vive donc en paix et en bonne santé, etc. Et puis, donc, il faut éviter ces trois. Ça, c'est obligatoire. Et surtout, les femmes, s'ils ne veulent pas avoir donc des chaleurs donc de préménopause et de ménopause, il faut qu'elles arrêtent le sucre et les viandes. Ça, c'est très important. Et puis les huiles raffinées et les choses donc qui favorisent donc qui retardent donc la vieillesse, hein, qui retardent cette troisième âge, c'est l'oméga 3. Hein, c'est l'oméga 3. L'oméga 3 est un élément qui se trouve dans le poisson. Donc il faut qu'ils arrêtent les viandes et qu'ils mangent le poisson parce qu'il y a l'oméga 3 et il y a la vitamine D hein, aussi. Et puis l'acide folique, c'est les légumineuses et l'acide oléique, c'est l'huile d'olive. Hein, ça, c'est des choses qui favorisent bien. Les phytoestrogènes dans les graines, c'est-à-dire le lait, le sésame, la fenugrec, le cresson, la fenouil, etc. Ça, c'est des graines qui contiennent du phytostérol et du phytoestrogène. Les phytoestrogènes, phytostérols sont très importants donc pour les personnes âgées. Très importants pour les personnes âgées, je le dis 10 fois. Et puis, trop de fibres, hein, moins de gras saturé, pas de cholestérol. Pas de gras saturé, pas de cholestérol, plus de fibres. Là, ils peuvent vivre en paix, bien sûr, avec le jeûne et avec le sport. Il faut qu'ils jeûnent. Les femmes qui ne veulent pas avoir de problème de ménopause, il faut qu'ils jeûnent, il faut qu'ils soient végétariennes. Et les hommes, ils ne veulent pas avoir un gonflement de la prostate, il faut qu'ils jeûnent, il faut qu'ils évitent les viandes, le gras saturé et le cholestérol, et ils peuvent vivre en paix sans aucun problème. Il y a beaucoup de problèmes donc, disons, qui aident donc cet âge-là à vivre en paix, hein, notamment les antioxydants. Et déjà, le régime végétarien, donc, avec le poisson, il convient bien, cet agent avec le jeûne et le mouvement, bien sûr, et n'auront aucun problème.